Un jour, on est à la maison. Et mon père a dit de venir, on va partir au Nigeria. Et il y a une dame là-bas, elle m'a vendu. Quand il a pris de l'argent, il a dit que je vais m'attendre et il va aller acheter du pain. Et moi, je me suis tué. Le train est parti, il a fui. J'avais peur. Desgraciadamente, nosotros hemos recibido chavales que han sido vendidos por 20.000 francos, es decir, unos 30 euros. Uno de cada tres menores de 18 años está siendo traficado a nivel nacional o a nivel internacional. Benín es uno de los países que exporta, entre comillas, más niños que van fundamentalmente a Nigeria a trabajar en la piedra, que van a Gabón, que van a Congo, pero también hay muchos niños togoleses, también hay muchos niños nigerianos que van transitando de país en país. Estos chavales, cuando salen del país, no conocen la lengua del otro país, no tienen ninguna relación con familia, y entonces no valen nada y no tienen ningún derecho. Con lo cual, en un país extranjero, estos chavales se puede hacer con ellos lo que nos dé la gana. Desde abuso sexual, desde maltrato, desde trabajo forzados sin ningún derecho y a veces poder solamente comer una vez al día y si has trabajado. Il y en a même qui ne savent plus qui ils sont. Il y en a même qui oublient leur langue locale. S'ils quittent par exemple le Bénin pour le Nigeria très jeune et qu'on les retrouve après 6 ans de trafic et de travail forcé, c'est des enfants en perte totale d'identité. L'enfant ne comprend pas. Il se dit « mais pourquoi il m'a fait ça ?» Et quand ce sont les personnes qui devraient le protéger, les personnes qui devaient veiller à sa sécurité, qui le vendent, c'est très difficile à accepter. Et mon père m'a amené chez son ami. Et l'ami m'a amené au Nigeria chez une dame. La dame l'a donné de l'argent. La traite, ce n'est pas voulu par l'enfant, mais ça a été subi. C'est forcé. Donc l'enfant, au lieu de vivre cette enfance dans la joie, dans le jeu, est plutôt contraint à travailler. Il me disait de balayer la chambre et la cour et de laver les plats. Je prépare, je fais la lessive, je pars à la boutique et je vends. La traite est une situation néfaste, dangereuse, pour les enfants, parce que ça tue l'espoir des enfants. El primer campo en el que trabajamos es en la identificación del traficante. Y por eso nosotros trabajamos en los mercados, sobre todo en las zonas donde están los taxis. Es en esos taxis donde van muchas veces estos chavales de un país a otro. Aparte de la identificación de los traficantes, intentamos trabajar con las familias, porque a veces las familias no saben que estos niños han sido vendidos y han sido traficados. La familia piensa que la persona que viene a ofrecer, déjame tu hijo, yo lo voy a coger, me comprometo a llevarlo a la escuela, me comprometo a cuidarlo como si fuera un hijo mío. Entonces, estas familias no saben que al final cuál es el destino de estos chavales. La première cause que tout le monde refuse, on va nous parler de la pauvreté. On va parler tout d'abord des mauvaises conditions de vie des parents, parce que c'est des gens qui n'ont pas le minimum vital. Dans le milieu rural, acheter un silo à 150 francs,
C'est la croix et la bannière pour les parents. Ils n'ont même pas les 150 francs pour prendre le stylo. Otra de las causas es que hay gente que sabe que esto es lucrativo. No importa quién, puede coger estos niños en el mercado, meterlos en un coche y llevarlos a otra ciudad o venderlos, ofrecerlos a la explotación o al trabajo forzado. Se puede pasar fácilmente de un país a otro y nadie te identifica y nadie te para, con lo cual eso hace que el trabajo de tráfico sea fácil y por eso hay gente que se dedica a eso. Y creo que otra de las causas del tráfico es que el código penal actualmente en Benín no es muy claro en estos temas y difícilmente se toma medida sobre esta realidad. Yo creo que la Brigada de Protección de Menores puede aclararos mejor. La traite des enfants en Afrique, c'est grave, c'est un fléau qui dévaste nos états. Je peux dire de façon générale, nous accueillons en moyenne 6 enfants victimes de traite par jour. Hay una banalización de estos fenómenos, socialmente no tienen mucha importancia, puedes pegar a tu mujer, no es muy grave, los niños pueden trabajar, está aceptado y cuesta mucho luchar contra eso. C'est une forme d'esclavage. C'est l'esclavage actuel, on peut dire, l'esclavage mondain. Il ne concerne même pas là-bas. Il n'est pas habitué aux gens de la maison et un jour, quand la dame l'a commandé quelque chose avec sa fille, il a profité pour fuguer. Quand je suis en train de parler, j'ai vu une dame et je lui ai dit que où je peux passer pour arriver à la frontière. Elle m'a dit d'aller là où on prend des motos. Le monsieur m'a amené chez les ambassadeurs, sont des Béninois. Et ils m'ont amené chez le ministère de la Famille. Généralement, tes enfants ne reviennent même pas avec grand-chose. Quand ils vont dans ces états, ils reviennent très souvent de façon miséreuse. L'État n'a pas de structure d'accueil. C'est le centre Don Bosco qui est le seul centre crédible qui nous accueille tous les enfants. Même si les enfants ne sont pas du département, puisqu'ils savent que le foyer Don Bosco est là. Donc on essaie de dire l'enfant est de l'Ouémé, l'enfant est de l'Ouémé, juste pour qu'on puisse le faire intégrer au foyer Don Bosco. Ils ont parlé avec le père et ils m'ont dit de venir au foyer. La plupart des enfants que nous accueillons au foyer Don Bosco, beaucoup n'ont pas eu à vivre cette relation mère-enfant. Et donc c'est un manque d'amour, un manque affectif pour eux. La plupart des enfants développent des formes d'agressivité par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et là, vous voyez en eux toute la rage qu'ils ont contre les adultes qui les ont fait subir cette situation. Et parfois, contre leurs parents qui les ont laissés partir. Que ce sont des enfants qui ont des difficultés de motivation. Parce que dans les situations de trafic, on ne leur permet pas souvent de réfléchir par eux-mêmes. Ils sont conditionnés toujours à faire quelque chose. Et souvent, ils sont très découragés. Il a le moral à terre. Il a le moral à terre parce qu'il se demande si
il peut encore être certain d'avoir un avenir. Il faut beaucoup les motiver et les soutenir pour qu'ils puissent s'inscrire à nouveau dans un processus d'apprentissage. La première des choses, c'est de les mettre en confiance. Attaquer directement la souffrance, c'est le faire plus mal. Donc, nous allons de façon progressive. Nous aidons l'enfant à pouvoir s'ouvrir, mais à travers les jeux, parce qu'il y a un blocage. Quand l'enfant vient ici, la première chose qu'il demande, c'est d'aller à l'école ou bien d'apprendre un métier. Alors, on voit tout de suite dans cet enfant qu'il est intéressé par son avenir. En fait, c'est un enfant que nous avons accueilli. Il n'a pas encore commencé l'école. Donc, c'est un peu difficile l'inscription parce que l'école a commencé depuis. Mais finalement, le directeur a accepté de le prendre. Donc, ce matin, il va commencer l'école. Ah, ok, content. C'est bon, je dis, on va commencer l'école. C'est très bien. Alors? Ahora no están en la calle, ahora no están trabajando, están con nosotros, tienen garantizada la comida y la sanidad, ¿no? Están en un medio protector, entonces se les pregunta, ¿y tú qué quieres hacer de tu vida? Se les motiva a estar alegres, a estar en familia, el ser queridos y aceptados por lo que son, no por lo que tienen. El mejor futuro para un niño es vivir en su familia. Aunque sean pobres, son personas que quieren a esos chavales y no es la pobreza la que nos puede impedir acoger a un chaval, sino que es el amor, la educación, el ambiente de familia la que puede construir a un chaval. Donc, même quand l'enfant allait en congé auprès de sa maman, le papa allait dans le village de la maman et faisait beaucoup de bruit là-bas. Il ne voulait pas du tout que l'enfant reste avec sa mère. Ce que lui, il voulait, c'est qu'on le lui donne et qu'il le retourne au Nigeria. Finalement, on a interpellé le juge des mineurs, le président du tribunal, et l'enfant a été officiellement retourné à sa maman. Et maintenant, l'enfant vit en famille et il continue l'école. Je me lave tous les matins avec de l'eau et du savon. Je me lave tous les matins avec de l'eau et du savon. Tenemos la posibilidad de que un chaval que ha sido traficado, un chaval que ha sido vendido, que un chaval que no ha habido nadie que lo ha llamado por su nombre, o que lo ha querido, o que lo ha abrazado, ¿no? Y ver la posibilidad con el tiempo que este chaval sonríe, que empieza a jugar, que es capaz de hablar en público, que es capaz de decir su nombre, que es capaz de escribir. No hay dinero en el mundo para pagarlo, y con eso me quedo.